plus en plus, hein. On était en Suisse là, à Neuchâtel, je sais pas où là. On marche, j'avais mon t-shirt orange RC Garage. J'ai bien non, mais arrête-toi, je sais pas quitter moi. Saute du coffre. Oh, en hommage à ma Renault Express et à tous les énervés du départ, parce que quand je sautais, quand je faisais ça, quand je sautais du coffre de l'Express avec les voitures, il y en a qui disaient c'est n'importe quoi, tu casses le matériel. D'accord. Et moi aussi je peux jouer ? Bah oui. J'aurais dit, mais tu t'imagines un peu ce que tu fais quand tu roules à 70 et tout. Qu'est-ce que tu crois que ça lui fait de sauter du coup ? Voilà, bon, après, ça m'est monté sur le toit la fois d'après. Ouais. Ah, pas moins de manie, hein. Là j'ai les Wark. Les Wark Talk. Les Wark Talk. T'as toujours pas. Ah, la différence. Ouais. Même par rapport aux lipotractions, ah, bah, qui sont pas trop mauvaises là, ce coup-ci. Bah là j'ai mis l'eau. Ouais, mais regarde ça. Ça n'a rien à voir. C'est du magic. Hein, oh oh, ça va, on voit. Quand même une différence, hein. Oui. Mais après, c'est. Ben, mais par contre, ouais. J'ai senti avec les 3S, j'ai fait. Ça, les Gen 6, j'oublie parce que je les fais gonfler. Ouais. Et les I, au final. Je sens la différence. Ah, c'est magique. Ah oui, franchement. Il était déjà monté parce qu'il n'était pas là, il était vraiment parfait. J'ai fait la vidéo, il y en a un qui m'a dit écoute, arrivé le lendemain, j'écoutais déjà. Putain. Bah oui, mais c'est dans les algorithmes automatiques. Hein. Ouais, bah oui. Tu repères le nombre d'achats. Mais tu sais ce que tu fais des fois pour gagner du. Des réducs. Tu les fous dans ton panier et t'attends. Et il y a des fois. C'est ce que j'avais fait avec les haltères. Et après tu vois le truc, voilà, l'article machin a baissé de temps. Et tu regardes le prix, tu fais ah bah ouais, ça a perdu 15 euros. Une demi. Une demi qui est pliée et qui frotte au bord. Pas encore tu vois que tu vois que tu vois que tu vois. Après, le problème c'est qu'avec la puissance que tu as dedans là, je préfère éviter. Si tu fais un coup de gaz frein, tu sors le. Tu entends juste le clac-clac comme ça sort. Merci. Ouais, c'est le panneau qui claque. Ça, tu vois, avec MTX, je fais sans vouloir en freinant. Bam! Allez, tiens! Il y a un vélo. Il y a mamie trop morte. Je suis en train de chercher dans quel film c'était l'autre jour. C'est dans cette arrière près de chez vous? Ouais. Ah, il est trop blanc! Mais demeure petit, yeah. Hey gamin, reviens là gamin. Bah tu peux le faire avec un de compagnie ça. Gamin, reviens là gamin. Les gamins, t'as passé ça dans le fouet. Ouais, c'est les enfants, j'aime pas, c'est pas rentable. Ah. Non, c'est non, c'est comment il dit, c'est pas posable. Ouais. Non, si, c'est pas rentable, ça fait rien. Ouais, pas rentable, rien. Ouais, j'adore.
une rivière, une larme de gin, une rivière de tonic, et notre petite victime, solidement ficelée à son lait. L'olive poivron. Tout à l'heure, je suis passé sur les cailloux là, ben là comme là. Ouais. Ah, c'est ça qui est sympa, c'est bon. Faire prêt qu'il va. Ah, j'ai lâché pourtant. Hein. Ah, elle, merci. Hein. Ah, ouais. Ah, tu m'étonnes. Bah, moi, tu vois, c'était les feux arrière sur le bajeu là. Je le sentais. Je fais ça plus le torque twist. Je fais elle. Il va falloir que je fasse quelque chose. Tu vois, sur l'MTX, j'ai la fusée, enfin l'exa avant gauche et arrière droit. Et les autres, ils ont rien. Mais sur la SST, arrière droit. Et sur la Outcast, j'ai eu pareil. Sur une diagonale. J'ai appelé la poulie de Jaï. Parce que là l'endroit où ils sautent toujours les gars, en fait, c'est parce qu'il y a la route en face, tu vois. Mais ça rabote la pente. Moi, je prends en diagonale. Hein, je vois. Et les autres endroits, en fait, ça saute un peu plus raide. C'est facile pour eux. Ouais, pour l'instant, c'est pas... Après, il n'y a pas comme ça. Un saut, tu vois, comme ça, tranquille, tu reposes. C'est vrai que c'était sympa de faire du triple avec les... Oui. Mais la machine, elle reçoit quand même. Je pense que mon Mario commence quand même à en marre. De temps en temps, c'est les coups qui s'éteint tout seul. Ça, c'est le signe de la fin, en général. Bah, y a des fois, je dis, ouais, là c'est bon. C'est pas mal comme ça aussi. C'est de l'art. Ouais. C'est l'arrêt du Warthog. Ah, il y a un gling-gling, je pense que j'ai peut-être trouvé une pièce là. Oui, mec, les choses sont atomiques, ça glisse. Ouais, je regardais pas. Non, il y a eu un cling, ou c'est peut-être un caillou qui a tapé. J'ai l'aimant pour la pêcher à l'aimant dans le petit 80 kg. Le petit aimant 80 kg. Il y avait beaucoup d'allemands. Je me 80 kg. Ouais, après, je sais où je vais, et puis j'en avais un de 300 kg de traction. Ouais. Il y a assez collé sur une plaque dans le doux, impossible de tirer, j'ai coupé la corde. Il a été récupéré apparemment, mais. À 300 kg, il faut y aller avec une chaîne. Au ballon. Ouais, avec un petit truc. Hein. Un petit truc. Et sur une 3 slip. Non, mais au. Après, il y a pas de manuel. Là, il y a un truc. Ouais. Là, tiens. Non, il n'y a pas que des cailloux. Il y a le lapin qui se fait déglinguer. Ah ouais. Ou c'est un rat. Bah tiens, ça c'est coquillage. Non, mais oui, c'est peut-être. Ouais, je pense que c'est les cailloux. Ouais. Mais t'en as pas un qui a perdu un cardan ou je sais pas quoi ce côté-là. Il y en a plein de pièces qui traînent. Des bises, des coupies, des actes X-Max, des roulements, des packs, des tout. Je méfie. Des dents couronnes. Des dents couronnes, ouais, ça c'est normal. Oh, regarde les beaux glands. La vidéo de ce matin, tu es publiquant demain ou comme ça Babou il la verra avant le run. Donc ça, il va me dire.
tu fais les bonsaïs. C'était quoi le ventilo que t'as mis sur le vario, le truc au biwin? Non, c'était ici. Ah oui, ouais, c'est ce que j'ai mis sur les autres. Bon, après. Après, plus en large, plus en large, moins il tourne. Bon, j'étais à fond, je pouvais pas faire ça. Ah, t'as vu? La banane quand même. La graisse de la vie. Droite, et toi c'est un doute qui part. C'est ça, c'est un télescope. Si. Moi je suis à droite, donc je pars à droite. Je me fonce dedans. Je me fonce dedans. Vas-y. Vas-y, vas-y. Ça j'ai Oh, quand je triche, moi j'ai les roues qui ballonnent, je gagne plus de vitesse avec, la... avec mon pneu qui fait plein de place. Ça t'es une béquille. Ah bah. Ça c'est des cailloux. Ah oui, c'est cailloux. Je crois que c'est un bout de mousse qui était parti. Putain, la mousse elle rebondit bien je trouve. On disait quoi de la poussière? C'est pas mignon. Ouais, ça dépend lesquels. Hein. Quand tu vois que le Perrier s'est déconseillé à cause des tensions. Ouais, et puis les pneus de chevron, c'est l'éclate. Hein. Franchement. J'ai regardé, c'est le site de Trashop. Ouais. Je regardais, il y avait des pneus. Alors je sais pas pour quel track ça c'est. Et comme les J-Concept ou les pneus du LMT, ouais. en super large, je crois qu'ils étaient affichés mais ils étaient hors stock je crois. Ouais, pas pour X-Max, hein. Non, mais je pense que c'est pour du plus petit. Pas des gros pneus chevron pour X-Max. En fait, ceux-là ça fait des tranches, tu vois, c'est dommage. Ouais. Et si Jetco ils auraient pu faire, tu vois, parce que Jetco ils ont fait ce que j'ai là, les Wasteland. Ouais. Du coup, ils sont. Mais il faut les élargir, ça ne va pas. Et tu bouffes la carreau. Mais eux, s'ils avaient fait avec des chevrons, ça aurait été bien. Moi, je veux un pneu de ballon en chevron. Un pneu de tracteur, quoi. Ça je le fais avec la Outcast. Et même entre les. Entre où t'arrives? Entre les I et les. Ils ont eu le temps de rentrer à sec à vélo les deux. Ouais, il est habitué, c'est la deuxième, il est prêt, mais juste. Ouais, Clermont-Ferrand. Ouais, Clermont-Ferrand, plus d'hommes avec les volcans. C'est plus la neige et. J'ai fait. Ah, j'avais déjà tiré gaz. Hein. Demain, il faut que j'amène madame pour à 200 à Lyon. Ah ouais. J'amène pour
du covoiturage. Il faut que j'arrive à toffer la banque pour résoudre le problème de ma carte parce que. Non, je vais être comme un connard. Oui. Avant le week-end. Je crois qu'il faut que je l'amène à 9h, mais ça peut être une journée. Mais... une fois que le 3 il est en cours. De quoi? Ouais. Pas si ça filme. Si ça filme encore. Ouais. Bah tiens, j'ai paumé un morceau de mousse. Tu vois là, parce que là ça saute bien aussi. Je sais pas pourquoi ils s'obstinent tous à sauter là-bas. Tu vois là, t'as la place pour marcher. Crépir. Wow. C'est bien l'élastique quand même. T'as entendu? Il y a eu un arc électrique. Ah ouais. C'est de sauter plus haut alors. C'est pour... pour le téléphone. Un fouille pour la Tesla. Il y a encore un bout de mousse qui s'est barré. Je récupère. Oh, il y a le vario qui s'est barré. Ah ouais, tu vois. Vas-y, détendre. Les petits rilles anti-cul là. Ah. On les met là. Ah, t'as une mousse qui est pas. Ouais. Bah après, j'allais jusqu'à la vite fait. Ouais, mais c'était juste pour caler de chaque côté avant-arrière. Ouais, t'aurais fait des grands bouts là. Ouais, c'est pas. Sens là, il a bloqué le vario, ça a bloqué le ventilo là. T'as plus vers le bas. Du coup, ouais, tu prends sous les. Ouais, tu passes juste en dessous après et t'en prends un là et un là. Même le. Là, moi, je pense que. Ouais, on va arrêter là. C'est plus prudent. Je vais envoyer un petit virage. Juste le ramener jusque là-bas. Histoire qu'il soit beau. Ouais, c'est que ça va bien. Banzaï ! Je l'ai mis à l'envers. Hein ? Je l'ai mis à l'envers, normalement. Ouais. Et il a coupé, tu vois. Tiens, je t'ai dit, faut que... Ouais, ça commence à glisser là. Alors, moi je vais récupérer la fin.